les touristes. Ils sont passés par Le Bourget et compagnie là. Oui. Donc, si vous qu'on a croisé la semaine dernière alors. Parce qu'on avait bien vu qu'il y avait une machine vapeur, on ne savait pas de quel convoi il s'agissait. Le Bourget nous a croisé la semaine dernière. C'était pour la fête du rail. D'accord. À Longo. Le RER. Et moi sur cette ligne-là, sur la baie. J'encadre des conducteurs. La chance. Voilà, j'ai fait 16 ans de conduite et puis après voilà, c'est leur encadrement. Et cette ligne-là, j'ai pris dessus pendant 6 ans. Sinon j'étais là. J'avais un copain, il conduisait les bus. Il a pris sa retraite à 50 ans. Formidable, c'est une chance. Mais je dirais que non, c'est même pas assez. C'était parce que c'est fini. Plus le temps va passer, moins je voudrais être actuel. Mais ça, malheureusement, ça va changer les avantages. Les réformes qui passent là, ouais, les gens, ils sont. On a de la chance parce que la dernière fois qu'ils avaient sorti le métro, ils n'avaient pas fait un charbon efficace. C'était une fumée très noire. C'est beaucoup plus agréable. La dernière fois, vous étiez il y a 10 ans, voilà. 40 ans. Ouais. C'était pas la même machine, et pas la même charbon. Voilà, pas la même machine, tout à fait. C'était la 141 TB 407. Il y a trop de camions, trop de poids lourds sur les routes, trop d'embouteillages.
C'est ça, ça a changé. La région parisienne est devenue un canal. Moi je dis qu'en France, il faut redévelopper le ferroviaire, mais complètement. Tramway, tram-train, TER. C'est pas Chirac qui est meilleur. Bah oui, malheureusement, en fait, c'est pour ça que je suis en colère après Macron, parce qu'on dirait qu'il est allergique. Pardon. Je dirais qu'il est allergique au chemin de fer, Macron, et il supprime des voies ferrées. Alors que les routes sont surchargées, les routes sont à saturation, il y a des bagnoles partout et lui il ferme des lignes, il ferme des gares, il ferme des lignes. Le gouvernement, ils sont allergiques au train. J'étais monté sur le petit truc là, je me suis bien réveillé. C'est vraiment des concours très agréables. J'espère que l'urbanisation ne va pas nous faire sauter tout ça. Ouais, bah, il faut attirer. Parce que maintenant, les gros pavillons bourgeois, comme ça, bah, soit ils divisent en plusieurs appartements, ou alors ils démolissent. Ou sinon, ils démolissent et font des immeubles. Par chez nous, c'est ce que ça. Moi, j'habite un peu plus loin que la tour, là, vous voyez, c'est ça. La reine, je suis en train derrière. Et ils sont en train de démonter, parce que le prix des meublés a tellement grimpé. Ouais. Les gens n'ont pas les moyens de mettre 600 euros dans un pavillon sur les points modernes. Ou ils font de la découpe, ou soit comme vous dites, ils détruisent. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils ont raté leur RER tous ces jours-là. Ah oui. Ils regardent ça avec des yeux de Merlin Frey, hein. J'ai vu ça tout à l'heure à la barrière. Ah bah ils en reviennent pas les gars. Ah oui, c'est un petit. C'était le temps. Sur le RER. Ah, c'est ça, oui. Il y a quand même un choc. Le Bertrand, c'était le MS61. Comment? Le MS61, c'était le Bertrand. Ouais. Le MS? Ah ouais, mais. Ah, ça c'est bon. C'était chouette le MS61. Et depuis qu'il l'aura dit. Il y a 10 ans, quand on a fait les 40 ans de RER A avec l'autre locomotive qu'on a, il y avait encore du MS61. Même le MI84, c'était bien. Ah oui. J'aime moins. Tu connais bien. MI84, il y a une partie transférée sur la B. Sur la B. Et puis l'autre stoppée en attente de maintenant. Après, il y a eu les bombées qui sont arrivées. J'ai failli faire comme
n'avez pas regardé la chaîne. Parce que pas mieux. Le matériel qu'il y a ici, il est bien. Le MI-09 a des capacitaires. Il est, 30% de capacité en plus. Je peux monter 3000 personnes devant. Là, il est peut-être pratique au niveau du travail. Bon, par contre, je ne vous dis pas qu'ils sont confortablement transportés. Ouais, voilà. Les missions transportées. Moi, je ne les aime pas. Ce n'est pas du bon matériel. Du bon matériel. On ne voit rien par les fenêtres. C'est du moderne, c'est l'électronique. Ouais, ouais. Voilà. On s'assoit sur les sièges, on a un truc comme ça devant les yeux. On a un monteur comme ça devant les yeux. Elles sont minuscules, on voit plus dalle. C'est pour rouler dans les tunnels, quoi. Des fois, il y a des photos. Elle est sur les tiroirs. Non, le tiroir est là. Ah ouais, c'est vrai. On va pas aller dessus. On va rentrer sur. On arrive à Châtelet-Léal. On a encore nos évacuations à Luxembourg. Ah non, je l'ai trouvé. J'ai mis du temps et j'ai trouvé où c'était. On a encore nos évacuations. Il y a du spectateur. On est même accueillis par les loges à l'église. Oui. C'est régulièrement. C'est le problème du MIT Renat. Il nous tape les aiguilles. Même là, à la sortie de Joinville. Mais l'aiguillage, il n'est pas contrôlé par le CCU, non? Pardon? Il n'est pas contrôlé par le PCC? De l'aiguillage? Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Et même le CCU, c'est étonnant que vous sachiez non pareil. Parce que le CCU, c'est logique. Centre de commandement unique. Ouais. Parce qu'il est tout neuf, le CCU de la. Depuis mars 2019, je crois. Tout à fait, ouais. Il est à Vincennes. C'est-à-dire qu'en vérité, ils n'ont pas changé le bâtiment parce qu'ils sont en train de construire un nouveau.